Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir à vous, Flavien Balondongo, good evening to you as well, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. The 2018 edition of the Ngondo Festival has ended in Douala today with a principal message, or principal ancestral message deep from the River Wuri, being nothing else but peace. To return in the two English-speaking regions of Cameroon hit by the Anglophone crisis, and equally the far north region of Cameroon marred by Boko Haram hostilities. In this edition of the newscast, we equally be talking sports, where Edin Football Club of the Lekki will be representing Cameroon at the CAF Confederations Cup. This was after they defeated the Long Blessé of Futuni at the final of the Cameroon Cup final this afternoon at the Amadou Ahidjo Stadium by 1-0. In the watchful eyes of the head of state, Paul Biya. Details and more in this newscast. La paix, toujours la paix, c'est d'ailleurs... Une fois de plus, bonsoir. Vous l'avez compris, donc il s'agit du journal, une édition bilingue avec des titres déjà donnés. Donc on parle de ses ancêtres Sawa qui recommande la paix et uniquement la paix à son peuple, à tout le peuple camerounais. C'est d'ailleurs le message de quatre lettres sorties du fleuve Wuri à l'occasion des festivités clôturant ainsi l'édition 2018 du Ngondo, fête traditionnelle qui a eu lieu en début de matinée sur les berges du Wuri. C'est ici à Douala. Jean-Paul Sunia, pour plus de précisions. Sous un soleil radieux au bord du fleuve Wuri, la communauté Sawa est en pleine apothéose du Ngondo 2018, la fête traditionnelle des peuples de l'eau. De ces festivités couronnant un mois d'activité, plusieurs temps forts marquent l'événement, notamment le message des ancêtres sorti des profondeurs du Wuri. Il se résume en un seul mot, la paix. Oui, la paix, rien que la paix. Dans un contexte de tensions sociales latentes, le conflit armé dans les deux régions anglophones et le terrorisme qui semble refaire surface à l'extrême nord. Ici, le refrain de la paix est repris en chœur pour un vivre ensemble durable entre les différentes communautés issues des quatre aires culturelles du Cameroun. Deuxième articulation fort appréciée, la course de pirogue dans une belle chorégraphie nautique agrémente les regards de l'assistance. Tout comme la lutte traditionnelle donne son vainqueur. Daïdo, à peine sorti, a gardé sa position de deuxième pendant deux voyages. Et le troisième voyage, il a fallu encore beaucoup de travail pour qu'il prenne la première place. Et nous sommes trop fiers, malgré toutes les influences à l'eau. La pirogue est haute, on n'avait pas peur des vagues. En présence de tous les dignitaires Sawa et ceux des autres communautés venus magnifier la richesse culturelle du Cameroun, le Ngondo 2018 a tenu la promesse des fleurs, s'en félicite le comité d'organisation. Restons sur le plan culturel pour dire que le festival culturel du peuple Bamoun dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, a ouvert ses portes au grand public ce dimanche. C'était l'ouverture officielle, donc plusieurs activités sportives et même culturelles étaient au rendez-vous de ce premier rendez-vous justement avec notre reporter Leclerc Tchakem qui était présent à ces différentes cérémonies. C'est parti ce dimanche pour l'acte 547 des grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun, Ngondo 2018. L'athlétisme était au rendez-vous pour cette première journée, l'ascension du mont Bapit. Sur la ligne du départ, une centaine d'athlètes à la risée, Vufu Momo s'adduge la tunique jaune en 1h08, suivi de Toumano Modeste et Zoua Patterson. Chez les dames, Millie Angeline a franchi la ligne d'arrivée en 1h25, suivi d'un gaffé Maribel et au pied du podium Mekwe Augustine. L'on peut rendre grâce au Très-Haut. Un grand merci au Très-Haut qui a voulu que cette compétition puisse avoir lieu dans de bonnes conditions.
émotion, je pense. Et je vais d'abord dire merci à mon entraîneur. Ce grand homme qui a voulu désormais au Cameroun mettre des petits pas dans les grands pour pouvoir rehausser l'athlétisme. Le sous-préfet d'arrondissement de Foumbot salue le dynamisme de ses administrés, non sans remercier la cheville ouvrière du Ngoun. N'est pas le chef-lieu du Ngoun, mais Foumbot est au centre du Ngoun. Merci à Sa Majesté le Sultan Bonbon Djouya. Je voudrais également remercier tous les organisateurs, tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cet événement ait lieu. Et c'est merveilleux. Le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bonbon Djouya, a trouvé le mot juste pour saluer les efforts consentis par les athlètes qui ont bravé avec succès les 16 km du Mont Bapit. Cette première journée s'achève avec un concert œcuménique au podium central du village Ngouane. Des personnes handicapées demandent avec insistance la mise en œuvre du décret d'application de la loi portant promotion et même protection de leur catégorie sociale. Le texte signé du Premier ministre est resté jusqu'ici non appliqué et tout ce qui rend les conditions de vie des handicapés, donc qui conditions de vie très difficiles pour ces derniers, qui continuent de revendiquer leur la mise en œuvre de leur décision, cette décision qui va leur permettre de pouvoir avoir une place sous le soleil. On le voit bien sur le plan éducatif avec notamment des conditions difficiles aussi dans des établissements scolaires, des enfants handicapés qui n'ont pas de possibilité. Pourtant, la loi permet qu'il y ait une éducation tout à fait gratuite. Le reportage de Donald Brice Kamga. Le texte qui consacre la spécificité de la personne handicapée au Cameroun date de 2010. Il a fallu attendre 8 ans pour voir son décret d'application signé en juillet dernier par le Premier ministre. Pourtant, la personne invalide crie toujours à l'injustice. Regardez, je suis dans un tricycle. Le tricycle, ce qui est vendu sur le sol camerounais, à 170 000 francs. 170 000 francs CFA. Pourtant, le vélo de valide, qu'ils ont la possibilité de travailler, est vendu à 55 000 francs. Vous voyez quel paradoxe. Nous, on ne comprend pas. Je suis parti essayer de voir à la maison du cycle. On m'a fait comprendre que les taxes ont augmenté sur les pièces qu'on importe pour fabriquer le tricycle. La 22e journée mondiale des personnes handicapées est observée le 3 décembre prochain sous le thème de l'autonomisation et de l'inclusion sociale de cette couche vulnérable. L'impatience de voir les facilités contenues dans le cadre législatif en leur faveur dure depuis bien longtemps. La personne va dire qu'ils sont avec le baccalauréat. Et la personne handicapée qui sort avec le baccalauréat, tous ont le même lieu, ont le même niveau. À la simple différence que la personne handicapée a une mobilité réduite, alors que la personne valide n'a pas de mobilité réduite. Mais cependant, dans la tête, ils ont les mêmes capacités. Donc, il y a certains chefs d'entreprise qui n'acceptent pas facilement les personnes handicapées. Mais nous sommes là pour lutter pour que ces entreprises-là reconnaissent les personnes handicapées comme des personnes au même titre que les personnes valides. De façon anticipée, les personnes handicapées sont aux avant-postes à travers diverses activités pour appeler les pouvoirs publics à sortir leur bien-être des textes de loi pour la réalité. L'état d'ordure jonche les artères de la ville de Nangaï-Boko dans le département de la Haute-Sanaga. Ajouté à ces difficultés, il y a l'accès aux services de base, notamment de l'eau potable, qui est donc rare. Autant de défis qui interpellent l'exécutif municipal, qui vient de se doter d'un budget conséquent d'environ 562 millions de francs CFA pour l'exercice 2019. Charles Melingui et Marcelin Gansop. Des immondices à couper le souffle. Comme tu vois, avec toute la saleté là, ça va me donner le mal pour le, dans les poumons. C'est ça que je ne peux pas passer ici sans me cacher mes narines. À proximité du marché, de la maison du parti et du lycée technique de Nangaï-Boko, les ordures ménagères dictent leurs lois aux populations. Si tu partais comme ça,
La collecte et le traitement des déchets restent donc un défi majeur pour l'exécutif municipal, qui en plus doit faire face à d'autres difficultés, dont le difficile accès des populations à l'eau potable. Vous savez, je suis maire d'une commune qui a 104 villages. 104 villages, et chaque village a besoin d'un forage. Mais je dois vous dire, nous sommes à 54 forages. Vous voyez donc le gap, l'idéal serait que chaque village ait un forage. Donc c'est une quête permanente. C'est dans ce contexte fait de défis que vient d'être adopté le budget 2019, équilibré en recettes et en dépenses, à la somme de 560 millions de francs CFA. Ce budget-là sera consacré donc à l'amélioration des conditions des populations, notamment l'eau, la fourniture en eau, notamment la fourniture des écoles en table-banc, l'appui au centre de santé. Mais la mobilisation des recettes fait face à l'incivisme fiscal de certains contribuables. Aussi le maire lance-t-il un appel à une prise de conscience de la part des uns et des autres. Le budget, c'est une prévision de dépenses, une prévision de recettes. Donc nous ne pouvons pas atteindre les objectifs qu'on se fixe avec autant d'optimisme si les populations ne participent pas elles-mêmes. Il faut payer les recettes parce que la commune ne crée pas de l'argent. Et malheureusement, nous sommes encore dans un contexte où l'incivisme fiscal est une plaie, est une gangrène. Nanga et Boko. Pourtant, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga n'a pas encore amorcé son décollage. Il y a encore fort à faire, malgré les efforts conjugués de l'exécutif municipal et de certaines élites. La communauté Mankon dans la région du Nord-Ouest est donc en pleine tourmente de la crise anglophone qui secoue cette partie du pays. L'une des communautés importantes de cette partie du pays justement qui subit des atrocités, même des affres des sans-foi ni loi, qui se mobilise justement pour aller donc de l'avant malgré les contrariétés. Guy Zogo pour plus de précisions. La crise anglophone géographiquement mais si près d'elle par les actions menées sur le terrain pour sortir de l'ornière. C'est le cas de la communauté Bamoun Kumbit de Mankon dans le nord-ouest qui s'est réunie pour débattre de son développement et par ricochet de la situation actuelle. Nous sommes en train de parler à nos fils et filles pour que dans leur but de demander leur revendication, il faut qu'ils sachent que l'État peut tout donner, mais il y a certaines choses que l'État peut vite accepter et ce que l'État ne veut pas accepter. Il est aussi question de parvenir à la calmie pour espérer des solutions pérennes. Nous sommes en train de leur dire de cesser le feu, de déposer leurs armes pour qu'on parle, pour voir comment on peut améliorer la situation chaotique qui se passe dans le pays, pour qu'on soit dans la paix. Une voie que cette communauté espère consolider à travers des infrastructures communes à tous. Depuis 2016, nous avons entré dans un projet qui est la construction d'un foyer de développement. C'est là où tous les villageois ils ont réuni leurs fonds pour que, dans le but de développer comme les autres, ils sont en train de construire un foyer. Au sein de la communauté de Mankon, les rôles sont si bien répartis que les femmes apportent aussi leur contribution face aux enjeux de l'heure. They have so many things that they have helped the village to move ahead. For example, the women, they take care of the health center, they take care of the women at home, children going to school, they give scholarships to children going to school. And also, they are planning come up with a woman empowerment center. Idem pour les jeunes qui s'investissent principalement dans le secteur de l'éducation. We are playing a very special role in encouraging our youths who are mostly students to be education focused, to focus on the education. Autant de prévenance font espérer à la communauté de Mankon que l'avenir demain est plein de belles promesses.
Parlons sport à présent, football, avec le vainqueur de la Coupe du Cameroun de football édition 2018 qui a enfin connu. Edding Sport de la Ligue qui a remporté la finale en battant Lyon Blessé de Futuni. Le score 1-0, une victoire qui laisse donc malheureusement un goût d'inachevé. La CAF ayant déjà disqualifié le deuxième représentant camerounais à la Coupe de Confédération de football. Nous y reviendrons. En public information dans cette édition, des diplômes de fin de formation remis aux étudiants de l'Académie supérieure des sciences de la santé. Au terme de leur formation, près d'une centaine d'apprenants viennent donc de recevoir le fruit de leur travail. Reportage. Ils sont des jeunes disciples d'Hippocrate et arrivés au terme de leur formation, qui demain consistera à assurer la santé des hommes, l'heure des récompenses a sonné pour eux. À l'Académie supérieure des sciences de la santé, la 6e promotion des infirmiers diplômés d'État et la 7e promotion des aides-soignants et techniciens des laboratoires sont arrivés à bon port de leur formation. Au total, ce sont 49 infirmiers diplômés d'État, 33 aides-soignants et 31 agents de technique médicale et sanitaire qui sont désormais aptes à mettre en pratique leurs connaissances acquises dans le domaine sanitaire. Après 3 ans de formation, c'était vraiment pas facile, mais par la grâce de Dieu et la formation, ça s'est très bien passé. Pour la suite, je compte m'inscrire en cycle licence et continuer, s'il plaît à Dieu, et obtenir mon doctorat en soins infirmiers, pourquoi pas. Bon, c'est un sentiment de satisfaction pour moi parce que ça a été mon rêve depuis. Donc je rêvais sortir majeur et Dieu a exaucé mes prières. 16,21 de moyenne. Je suis tellement fière malgré ce que j'ai souffert pendant la formation. Comme le Seigneur m'a béni que je finis cela dans les bonnes conditions. Avec 14. Pour la fondatrice de l'Académie supérieure des sciences de la santé, les diplômés de l'institution qu'elle dirige sont à la hauteur des missions qui pourront leur être confiées dans leur domaine de compétences. Dear students, you are going out as ambassadors to put this 100% into practice. That will bring 100 faces full of smiles, be it in the hospitals, in clinics or in the communities. Avec cette cérémonie, précise-t-on encore au sein de l'Académie supérieure des sciences de la santé, c'est un moyen de mettre en lumière les qualités des diplômés. De la 6e promotion des IDE et 7e promotion des aides-soignants et les techniciens médico-sanitaires. Alors, c'est une cérémonie qui se passe chaque année. On prime les meilleurs élèves. On prime pour encourager tous les autres élèves qu'ils ont encore à l'école. Là, on fait aussi, là on montre à tout le monde entier la force de notre formation dans cette école. Une manière de mieux accompagner la QV 2018 de l'Académie supérieure des sciences de la santé. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie s'ouvre avec une note de culture, Innocent Azer, avec Longondo qui parle de paix et uniquement la paix. Exactly, Flavien Valendongo has said it. I should be noted that it was on a Sunday that the Gondo, the Sawa community converged at the banks of the River Wari Douala here in the littoral region to crown the 20th edition of the Gondo Cultural Festival activities, marking the 2018 edition of the Gondo Cultural Festival last of the month with remarkable moments, notably the ancestral messages deep from the River Wari. They all centered around a particular word, the reign of peace and nothing else, in the context of rising violence and insecurity in the two English-speaking regions of Cameroon and equally the persistent terrorism in the far north region of Cameroon. There has been a general appeal for peace, for a durable living together between different communities, a choreographic canoe race as well crowned the festival. Unlike traditional combat, call it wrestling, with winners awarded trophies, participants expressed joy,
throughout the event. In attendance were dignitaries from the Sawa and other communities to honor one of the Cameroon's rich cultural heritage. I will now talk something different from culture to tell you how a few days ago Equinox Television actually exposed the problems of waste management in some parts of Douala, economic capital of Cameroon. The population of Bilongue, that's in Douala 3 subdivision, can now have sight of relief after authorities charged with the collection and disposal of the waste management in Douala, notably Sakam, took upon themselves to collect or get rid of waste in that part of the littoral region. Details with Mimi Mefo. The move came as a relief to residents around the garbage heap at Pong Alemang Bilongue, Douala Free Subdivision in the littoral region of Cameroon. What would you suffer with the dirty? Now, 5 months. The waste disposal company took 5 months, as this mother explains, before visiting the neighborhood to get rid of the garbage heap, which has been a health and environmental nuisance to the entire population. It is cement, or arata, or cacambos, did come up for inside. With is 6 foot 6 or dirty. This woman says that they have constantly been exposed to diseases as a result. The stream at Bilongue is also inundated with plastic papers and bottles. It is unknown how long the people would have to cope if the bottles are not evacuated soonest. Ayant vu cette image-là, j'ai été obligé de prendre attache avec la société Isakam. The mayor of the Douala Free Subdivision, Job Thiofiu Kwapnang, says that his council notified the hygiene and sanitation company to dispose the waste, which to him was not properly managed by the population. Population qui depuis de longues dates, est victime de son propre incivisme. Parce que il faut avouer que c'est eux-mêmes. As the quarterhead explains, the entire neighborhood has been mobilizing for cleanup campaigns. We get comité d'hygiène et de salubrité for chefferie. We don't decentralize for all block. Movement of vehicles at Bilongue is also impeded by the fallen cables from electric poles. The population in Bilongue has called on the administration to look into these life-threatening problems before they get out of hand. And in health, an association to fight against HIV and AIDS in the littoral region has organized a mass encounter to show solidarity to persons living with the deadly disease. That was during commemoration marking World AIDS Day, November 1. Babla Jonathan was there and put together this report. A football match, a show of solidarity with persons living with HIV/AIDS, an encounter of sensitization on the disease, ending activities culminating to the World Day Against HIV/AIDS, December 1. Auprès des jeunes filles, nous avons accentué le message. Olivia Ngo, member of one of the associations involved in the fight against HIV/AIDS, says throughout 1 month, young girls were encouraged to concentrate on their education because it has been proven that when a young girl is concentrating on her education, her sexual behavior is put under control, thus increasing her chances of staying safe from the pandemic. HIV/AIDS remains a major threat to human health in Cameroon. Young people are the most infected. Aujourd'hui, le VIH n'est certes plus une fatalité. The board chair of the network of associations of persons living with HIV/AIDS, Charles Domingo Nubisi, indicates that HIV/AIDS is certainly no longer a fatality, but continues threatening human lives. With young people within the age range of 15 to 24 most infected, and girls 9 times more infected than the boys. Entrer sur traitement pour stabiliser sa charge virale et vivre normalement. Aujourd'hui, on parle de protection de. According to some of the anti-AIDS crusaders, like Olivia Ngo, emphasis should be shifted from protection with condoms to abstinence in a bid to further reduce the HIV/AIDS infection rate in Cameroon.
And Cameroonians are still living with a broken heart after the Confederation of African Football, notably the executive, decided to withdraw the 2019 hosting rights from Cameroon. It should be noted that Communication Minister Issa Chiruma Bakare granted a press conference yesterday in Yaoundé, calling on Cameroonians to be calm regarding what he terms as injustice on his country. Take a listen to him. He was speaking during the press conference. Ladies and gentlemen, the government of the Republic of Cameroon has taken note with dismay of the decision taken by the CAF Executive Committee, which met in Accra last November 30, 2018, to withdraw the hosting of the 2019 AFCON from Cameroon. This surprising decision, for more than one reason, is certainly unfair with regard to the huge investment made by our country, which has led to outstanding modern infrastructure as witnessed by all. In the same vein, this decision is unmerited, considering the resolve of the head of state and the people of Cameroon to make all-out effort to host a remarkable celebration of African football in 2019. It is clear from the outset of this matter that our country has been subjected to a treatment which can therefore give rise to questioning. In the face of this blatant injustice, the government of the Republic urges the people of Cameroon to remain calm and not to indulge to futile arguments. Cameroon has put in a creditable performance. It shall prove it to the entire world by completing with the same determination and on time the construction of this modern infrastructure belonging to the Cameroonian people as pledged by the head of state. Nevertheless, it is worth underscoring that African football would not match the exploit of other better performing continents in the absence of an ethical conduct. Our country, which has written the pages of African football in bold letters, will not relent her effort in working with other African countries and international football bodies to develop football in our beloved Africa. Express gratitude and thanks. And social media users have been reacting differently following that withdrawal of the AFCON 2019 from Cameroon by the Executive Committee of the Confederation of African Football, CAF. Most of them say the authorities responsible for Cameroon's failure should be punished. We have details of this report. We inform you, Armstrong Sander. The diverse nature of reactions expressed by Cameroonians following CAF's decision to withdraw the total 2019 Africa Cup of Nations only demonstrates how the King's Port and its management is perceived in the country today. Jean-Michel Ninchu, Social Democratic Front Member of Parliament for Vuri, described the withdrawal as an unprecedented thunderstrike on the history of the King's Port in Cameroon. He called for legal measures against those responsible for this failure, which he qualifies as a national catastrophe.
Cabral Libi, on his part, qualified the event as a disappointment for Cameroon, a deception and contrition to a global football reference like Cameroon, who was preparing to show the world its talent, its sociocultural endowment and legendary hospitality. Ali Sajo says the 2019 AFCON withdrawn, whereas it would have helped us limit high debt, hence qualifying it as an economic fiasco, a failure. Qualifying the event as a fiasco has featured in most reactions of Cameroonians. Aggrieved and angry, most of them called for the punishment of stakeholders responsible for Cameroon's failure to host the 2019 AFCON Jamboree in the highly expected cabinet shakeup. Other Cameroonians, in their reactions, preach optimism and they believe that something good is still to come for Cameroonian football. As Facebook, WhatsApp, Twitter and other social media platforms get busier on this issue, Cameroonians expect the reaction of Yaoundé, the capital city, as soon as possible. An inhabitant in Loum in the Mungu division of the littoral region are equally worried about the withdrawal. Most of them say the construction project should, however, not be abandoned by Cameroonian authorities. Details once more with Fomi Armstrong Sander. Fomi Armstrong Sander, that will be giving us that report. Is talking about inhabitants of Loum who say are equally worried about the withdrawal of the AFCON 2019 from Cameroon by the Executive Committee of the Confederation of African Football, CAF. They however expressed wish that the project should not be abandoned by the government of Cameroon. Details once more in Fomi Armstrong Sander. In most towns of Cameroon, say the night was long following the announcement of CAF President Ahmad Ahmad. Nous avons une prime décision de retirer la CAN 2019. An announcement which to them sounded like a dream that Cameroon will not be hosting the 2019 Africa Cup of Nations. Nous tous nous avons très mal passé la nuit. Hein? Ça aurait pu quand même booster l'économie. They regret, among other things, the loss of economic gains that would have accompanied the 2019 AFCON in Cameroon. Some outline huge investments made by Cameroonians who had hopes to make economic gains during the 2019 football jamboree. Nous sommes des morts, ça c'est la mort qui vient. While others believe that the Africa Cup of Nations in Cameroon would have helped Cameroonians to forget socio-political and economic challenges plaguing the country. Distraire le Camerounais a oublié aussi un certain nombre de choses, mais. But some on their part think that the country was not ready for the continental event. C'est quand même qu'on ne pouvait pas. On n'était pas prêt. Shocked and disappointed, inhabitants of Loum in the Mungu division expressed the wish for construction projects tip for this event to continue in order to boost Cameroon's sporting infrastructural development and get it ready for future competitions. The withdrawal of the 2019 AFCON hosting right from Cameroon is a shattered dream to the population of Loum in the Mungu division of the littoral region. And we told you in sports how Edzim's Football Club of the Lekie will be representing Cameroon in the Confederation at the Confederation's Cup. The representative finally surfaced today following the Cameroon Cup final placed today in Yaoundé as the winner Edzim's Sport clash against Long Blessé of Futuni. That final encounter that took place in the watchful eyes of the President of the Republic, Paul Bian, equally thousands of supporters, ended 1-0 in favor of Edzim Football Club of the Lekie. Only Edzim will represent Cameroon since CAF had suspended its second qualifier over Cameroon's delay to play the cup final. And that's it for this edition of the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We do wish you a splendid evening. Flavien Balondongo, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est le rendez-vous avec l'information sur Equinox Television, la toute première session d'information. Bonne soirée à tous.